Kate Middleton et William, cette autre raison pour laquelle ils en veulent à Meghan et Harry. En plus des révélations et des déclarations choc du prince Harry au sujet de la famille royale britannique, le prince William et Kate Middleton auraient d'autres raisons d'haine vouloir au cadet de la fratrie et à son épouse de Meghan Markle. Les Fab Four sont encore très loin de se réconcilier un jour. Le prince William et Kate Middleton nourriraient toujours une rancune amère contre le prince Harry et Meghan Markle, selon une source de Elle édition américaine papier du magazine Closer cité par nos confrères du New York Post. Selon cette source, le prince William et Kate Middleton ne voudraient pas seulement au couple exilé aux États-Unis à cause des accusations de racisme et des révélations choc qu'ils ont formulées contre la famille royale britannique. En renonçant à leurs devoirs royaux, le prince Harry et Meghan Markle auraient laissé une charge de travail entièrement récupérée par le prince William et Kate Middleton. Le prince William et Kate ressentent un ressentiment incroyable envers Meghan et Harry pour les avoir laissés reprendre le travail qu'ils ont laissé tomber lorsqu'ils ont déménagé aux États-Unis, estime ainsi la source du Closer américain papier. William et Kate, cette pression incessante qui inquiète. Cette nouvelle charge de travail, dont la source de Closer ne précise jamais en quoi elle consiste vraiment, pèserait sur l'état du couple héritier de la couronne. Cela a eu un impact énorme sur leur mariage et leur vie de famille. Parfois, on peut avoir l'impression qu'ils craquent sous cette pression incessante, indique cette source. Plus étonnant encore, cette source affirme que William et Kate NHE accent aigu citerait pas à alerter sur de déséquilibres et à pointer les coupables. Avec moins de temps ensemble à la maison et plus de temps séparés, ils se sentent constamment déchirés dans des directions opposées, souligne cette source. Ils insistent sur le fait que cela n'arriverait pas si Harry et Meghan n'avaient pas abandonné leur fonction royale. Mais à qui la faute? Les devoirs royaux assurés jusqu'alors par le prince Harry et Meghan devaient-ils être absolument tous récupérés par le prince William et Kate Middleton?